From now on, you will get news faster. Share faster. Work faster. Play faster. At Orange, we know you love to work faster and share your passion instantly. That is why we offer you Orange 3G Plus. Surfing changes with Orange. Today changes with Orange. It's a new episode of the Miss Wee Show. Thanks for tuning in. Today we're trending. Trending on social media, trending with my outfit, and trending with my guest who has a distinct voice on the radio. I'm sure all the ladies already know I'm talking about the guy behind Generation 2.0. It's Brice Albin. But before we discover who he is behind the radio scenes and outside of the radio scenes, we're going to look at all the topics that were trending on social media this week. Renowned French radio host and personality was on a hunger strike over a disagreement with his partner Stéphane Mwenge on the attribution of a license and ownership of Tropique FM, a widely listened to radio station in metropolitan Paris. Pictures of a frail Claudie have been trending on Facebook, with the singer and radio manager himself updating fans on the situation. We hope both partners get into an amicable settlement, as reports say Claudie has suspended his hunger strike and is looking forward to an amicable settlement before the CSA. Oh my word! African families. You surely have read about the Emmanuel Adebayo rant on Facebook about his family and their excesses. The Togolese football star took to the internet and purged out their internal family scuffles with mom, sister and brother. The guy had surely too much to keep there, isn't it? Well, inasmuch as there has been divergent opinions about him putting his life and family out there, we want to say that some of these successful people go through a lot of pressure to put their families in a comfortable position, and most of them take advantage of it. Hey bro, we feel you and share your concerns. The president's daughter has been very active on social media. Her Facebook page is updated and animated like no other. She'll take selfies, post pictures of her family, and even tag her location. To her, it is normal and has to live a normal life, though people think the contrary. Kudos, Brenda, for this is rare exposure we don't have in this part of the world. A president's daughter is still a human being, after all. Palapala woman Mani Bella and Lago de Wey Très Fort Coco Argenté were once again on the spotlight during an event in Belgium. I just love this duo. With their out-of-the-ordinary, call it yellow or brazen hairstyle, it was trending on the blogs and social media, and people had some other things to say apart from their musical prowess. What is certain is that these two are giving Cameroon a lot of visibility in the nation and, of course, international scene. A Cameroonian family is asking for assistance to transfer their conjoined twins to the U.S. for surgery. The outcry has been felt all over the nation, press and initiatives by businesses, by individuals as well, who using their businesses leverage support for the children of Evelyn and Julius Banlian D. They are seeking $15,000, close to 9 million francs CFA for the operation. We wish Davis and Daryl all the best. When we talk about dance here in Africa, the first thing that comes to mind is cultural dancing and traditional dancing. But nowadays, there's something called urban and street dance, which is hitting the nation. We've got a group of young girls called the Blades. They've been around the country in a few competitions, and they're the best, as they say. Have a look at what they do. C'est le groupe des Blitz qui veut dire Boogie Ladies in Dance. Nous existons, voilà, ça fait déjà 8 ans. Oui. Et puis on a eu à faire des compétitions qui s'appelle Boa, Challenge Vacances, Couleur Urbaine, Coca-Cola Dance, Orangina, Battle et la dernière où on a remporté Njuka Dance Competition. Et aussi des Blitz, c'est un groupe qui fait aussi dans les vidéogrammes.
tes clips. Donc comme on a fait celui de Ambe, on a travaillé avec Beast Boy, on a travaillé avec Meg Marron, on a travaillé, il y en a vraiment beaucoup, voilà. Donc je ne peux pas me rappeler de tout aussi, voilà. Donc The Blitz prévoit continuer à être les meilleurs, parce que nous sommes d'abord, voilà, sommes les meilleurs pour l'instant. On ne voit pas encore de concurrents derrière nous et on aimerait vraiment leur laisser une grosse distance pour être les premiers, sans concurrents. Let's go! I bet you think my show today is a feminist episode, but no. I started with the theme trending and I found myself chasing after very young, talented girls. My next person to introduce to you is another girl, and she's really special in what she does. I'd like to tell you more about her, but I think she's better at doing it herself. Take a look. Hi, everybody. This is your girl, Sienna, and you're watching the Miss P Show. Okay, sell him with Chego. Green when I pass through, I pass all the people where they ask, say I pass through. I know they make mock me, I know they beg dog. I am Jabe Takon Caroline, aka Sienna. I'm from Littoral, I'm Douala. I'm a student, I'm like any other student. I go to school, come back home. I'm also a musician. Green when I pass through, I pass all the people where they ask, say I pass through. I know they make mock me, I know they Well, that was my first experience as an artist. It was a rap group, like four people, three men, one lady. I was the only lady, so I'm kind of the queen there. And that was 3 years ago. We're rapping, but 1 year later, we decided to depart. Like each, everybody had something to do. Bah déjà dans mon enfance, j'écoutais tout genre de musique. I was not just focused on hip hop. I listened so much of slows, R&B, Makossa, Bikutsi. But j'étais plus captivée par le hip hop. Donc j'ai décidé de me lancer dans le hip hop. When I like for your man to talk, though I'm not stupid. Rappers are funny, some rappers to get hungry. The one thing people don't know about me and they're going to know very soon is that I love dancing. Bangwa people are just like Bamileke in the literal. They calculate everything they do. So when I started music, I wanted people to know that I'm not into music just for fun. It was calculated. I'm into music for a purpose. The one thing I would do differently, I am Sienna. I am different from each other artist. I think that's already a plus. Je vais apporter beaucoup de choses. Je vais déjà moi c'est unique. Il y a personne qui soit comme moi. C'est déjà un plus. Mais en plus de ça, I think I'm ready to take Cameroon music
internationally. Like, I'll just follow the footsteps of my brothers doing it, and I'll bring it. The challenges I have in the showbiz is, I am a woman, so I will talk more about the challenges of a woman. People tend to see just the physical. When it comes to women, they don't try to, they don't even do any effort to look at the personality or the talents. So I want people to look at me as an artist, not as a woman, not like fine babe. Une belle fille, elle est comme ça, elle brille, elle... Non, je veux plus qu'on me regarde comme une artiste. Mon talent et ma personnalité. That's what I want people to look at. Speed on the mic and let it breathe. When I like for your man to talk, though I'm not stupid. Rappers are funny, some rappers to get hungry. C'est dans notre programme, l'album, c'est bien dans notre programme. Mais nous sommes plus en train de travailler sur des singles et des maxi-singles. I'm sure you'd agree with me that she's a special talent to watch. Don't take your eyes off her because she's got special things coming up in the future. We'll take a little break now, and when we come back, we'll discover the man behind Génération 2.0. Avec mes quotas, je suis fun plenty. Toute la journée, table d'hiver plenty. Au courant tous les derniers Congo ça. Fun, chat sur en toute liberté. Plenty, plenty, plenty. Plenty fun ma compris. Plenty, plenty, plenty. Plenty fun et c'est parti. Plenty, plenty, plenty. Nous a compris. On peut parler sans compter à tout moment de la journée. Chez Orange, nous vous offrons les forfaits qui vous ont compris. Avec Plenty Fun, Fun, Texte, surfe librement avec tes potes à 250 francs par jour et 1000 francs par semaine. En plus, tu as un numéro préféré en illimité. Choisissez votre forfait au dièse 141 étoile 2 dièse. Le choix change avec Orange. La vie change avec Orange. Bienvenue à tous sur l'antenne. 16h12 exactement au Cameroun, vous écoutez. Génération 2.0, votre émission de distraction massive sur Nostalgie Cameroun. Ça surprend et pas que les bus. Stromae qui arrive au Cameroun ce week-end, il donne un concert à Douala. Maison du parti de Bonanjo, mardi prochain, mardi 19 mai à 19h. Deux infos qui ne servent à rien aujourd'hui. La première, c'est que je suis toujours grippé, mais je suis à l'antenne. Évidemment, parce que les auditeurs s'en foutent, que je sois ou pas grippé, je dois être présent, je dois être à l'antenne. La deuxième info qui ne sert à rien, c'est que Cristiano Ronaldo ne rattrapera pas Lionel Messi en gagnant un quatrième ballon d'or. Je crois qu'on peut déjà dire que Lionel Messi va gagner son cinquième ballon d'or en janvier prochain. Charlie Scott est avec nous. Salut Charlie. Salut, salut Maurice. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Et toi ? Super. Bah, je vais un peu mieux que ces deux derniers jours. Je n'ai pas été à l'antenne pendant deux jours. Du coup, toi, tu as été au chômage aussi parce que voilà, tu n'as pas pu venir mercredi nous passer les nouveautés US de la semaine. An on-air personality with a distinct voice, he has a radio show which addresses young generation. Girls say, Brice Alban dis, Brice Alban ceci, Brice Alban cela. I had to meet him. He's on the Miss B show today. Thanks for coming on. Le Brissounet même, elle m'appelle. Bienvenue. Salut Pam, comment tu vas? Ça va, ça va. Très très content d'être là, même si aujourd'hui ma voix n'est pas à son niveau optimal parce que j'ai une petite grippe en fait. Oh, je suis grippé depuis... Toi, c'est sûrement ta voix. Je suis grippé depuis une semaine. Mon français va gâter le show aujourd'hui. Tu vas me donner un peu de cours en anglais. Moi, je te donnerai un peu de cours en français. On fait du 50-50. Non, mais tu vas moi, je parle un peu de français et de English. Et toi, tu parles un peu d'anglais et de French. Parce tu que vois, c'est pas free. Faut que je te fasse la bise quand même. Oh, yo, thank you. Je rêvais de venir ici parce que j'ai vu l'émission, la première émission avec Cardinal Aristide, qui d'ailleurs speak l'anglais. Ça m'a même wonder que... Cardinal, tu savais pas qu'il parle anglais. Je savais pas qu'il parlait anglais comme ça. Ah. Donc j'ai trouvé vraiment le plateau très joli et j'avais envie de parler. Tu es le seul qui reste. Tu es le seul qui reste. Il faut que tu parles anglais aussi. C'est bien, hein, c'est confortable. On est bien là. Tu m'invites chez toi après aussi comme ça. J'ai enjoy aussi, non? Oui, je t'invite à la maison, pas de problème.
So, Brice Albin, le Brice Albin qu'on entend à la radio, mm-hmm. qui es-tu hors de la radio, hors du média? Hors de la radio, bah, je suis un jeune Camerounais, je m'appelle... Enfin, Brice Albin sont mes deux prénoms, en fait. Je m'appelle Brice Albin Yamedze. Yamedze, c'est mon nom de famille. Je suis Bamileke, je suis Bafan. Ah. Ameifa. Ameifa. Je vais te laisser là-bas. Ton concept Génération 2.0, explique-moi de quoi un peu... Alors, c'est une émission que j'ai créée pour toucher un public qu'on ne touche pas forcément au Cameroun. C'est le public geek. Le public... Qui a une culture du fou, du jeu vidéo, qui a une culture de la musique hip-hop notamment. Mm-hmm. Donc je voulais créer une émission dans laquelle on pouvait retrouver tout ça, parce que nous on parle de tout ce qui intéresse la culture geek, donc on parle de cinéma, on parle de football, on parle de jeux vidéo, ouais. on parle de nouvelles technologies évidemment, de smartphones, d'internet. Et je reçois à la fois des artistes oui. qui viennent présenter leurs projets, qui viennent parler de leur univers, de leur musique, et des start-upers qui lancent des entreprises, qui créent des applications, parce qu'il y a énormément de jeunes talents aujourd'hui qui font des applications pour téléphone, qui sont programmeurs, bref, il se passe énormément de choses dans le domaine de l'informatique, des nouvelles technologies au Cameroun. Et c'est une plateforme pour mettre en lumière ces gens-là. Pourquoi et Génération 2.0 en fait ? Génération 2.0 parce que... ça vient de Web 2.0. Web 2.0, c'est le web de l'échange. C'est le web qui est né avec les réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc c'est le web de la génération connectée. C'est pour ça que j'ai appelé l'émission Génération 2.0. Sans doute, pour moi, tu es l'un des meilleurs animateurs au Cameroun. Merci. Et pas parce que nous sommes des amis, bien sûr. J'aimerais savoir comment tu évalues la radio camerounaise par rapport aux autres. Je crois qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent au Cameroun. Ce qui manque, à mon avis, c'est de la diversité. Correspondant pour l'émission Couleur Tropicale, quelle est ton expérience? Quels sont les défis que tu as eu à subir pendant ce travail? C'est déjà d'être correspondant d'une émission qui a 20 ans. Couleur Tropicale a fêté ses 20 ans il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Qui a 20 ans d'antenne et de succès. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'émissions, même aux États-Unis, qui ait 20 ans d'antenne. Et de succès, une émission qui est écoutée par tout un continent, parce que c'est tout le continent africain qui écoute Couleur Tropicale. Claudie Ciard, c'est un animateur emblématique qui a bercé énormément d'Africains, y compris de Camerounais, évidemment, qui a inspiré beaucoup d'animateurs camerounais. Donc j'ai énormément de respect pour lui, pour son travail, pour son talent et pour son parcours. Donc évidemment, un peu très intimidé. De travailler pour ce grand monsieur, pour l'émission de ce grand monsieur. Parlant de l'actualité, que penses-tu de sa grève de faim? Qu'est-ce que je pense de sa grève de la faim? Ben, je pense que chaque homme a le droit de faire ce qui semble nécessaire pour défendre ses idées. Pendant ton émission, tu gères beaucoup de choses à la fois. Tu gères le Twitter, tu gères la musique, tu gères tes invités. Comment tu arrives à faire tout cela en même temps? J'ai six mains, en fait. Parce que normalement, men do not know how to multitask as much as women do. Tu as compris ce que ça veut dire? Non. Mais tu vas me dire ce que ça veut dire. Bon, je vais dire lentement, que je vais mélanger quand même, que les hommes ne savent pas multitask autant que les femmes. Les femmes, elles peuvent faire beaucoup de tâches à la fois. Les femmes sont couteaux suisses. Mais vous, les hommes... Moi, j'étais surprise de voir que toi, tu peux gérer tout cela en même temps. Bah, ça fait très longtemps que je fais ça. Quand j'étais à l'université de Tchang, je bossais pour une radio communautaire à Tchang qui s'appelle Radio Yemba. Et déjà à l'époque, le studio était pas aussi grand que celui de Nostalgie, mais c'était le même principe. Ouais. J'avais la console devant moi et il n'y avait même pas d'ordinateur. Donc il n'y avait pas d'ordinateur. Il y avait un lecteur double entrée et une seule entrée. Marchait, donc j'étais obligé de sortir les CD pour parler, mettre un autre CD pour lancer une piste ou ramener mon DVD
pour pouvoir mixer. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'à Nostalgie. Du coup, quand je suis arrivé à Nostalgie et que j'ai trouvé ce principe-là où l'animateur devait se mettre en onde, ça m'a pas posé le moindre problème. Je me dis que tu te plais dans ce que tu fais. Oui, j'adore mon métier, même si c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que tu voulais quand faire j'étais gamin? Quand j'étais gamin, je voulais être détective privé. Parle-moi de ta journée type, c'est-à-dire quand tu te réveilles le matin du lundi au vendredi avant d'avoir ton émission, qu'est-ce que tu fais? Quand je me réveille à quoi, 8h30, 9h. Ouais. Ou... Ah, c'est tard ça. Oui, parce que je dors à 2h du matin en fait. Ah oui. Je me réveille à 8h30, 9h. La première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est aller sur Internet. Avant, j'allumais la radio le matin. Ouais. Pour avoir les infos. Je me prends mon petit-déj. Je me prenais pas beaucoup de petit-déj avant, mais... Qu'est-ce qui a changé? Ma copine, qui me force à prendre des petits-déj tous les matins. Ah, donc tu n'es plus dispo alors? Non, plus du tout. Le mariage, c'est pour quand? C'est presque bientôt. Je suis invitée number one. Évidemment, tu seras invitée. Si tu n'es pas invitée, qui sera invitée? Personne. Weekends, what do you do weekends? Le week-end, je ne sors pas beaucoup. Ah, c'est ta copine qui t'attache comme ça à la maison. Non. même... C'est sûr. Même quand elle n'était pas là, je ne sortais pas beaucoup. Je ne sors pas beaucoup le week-end, il y a les matchs de foot. C'est aussi pour ça que je ne sors pas. Parce qu'il y a les matchs de foot. Il y a les matchs de foot à la télé. À quoi ça sert de regarder un match quand tu vas savoir qui a gagné à la fin? Et puis, non, c'est pas la même chose. Faut que tu vois l'action, faut que tu vois le dribble de Messi, faut que tu vois l'action. En général, quand je sors le soir, le week-end, en général, c'est pour le travail. C'est pour aller travailler en boîte ou en boîte, machin, mais pour aller travailler. Merci d'être venu, déjà. Merci d'avoir réussi à me faire parler le français. Donc, vous allez m'excuser pour toutes les fautes et les petites erreurs que j'ai faites aujourd'hui. Ce n'est pas de ma faute. Merci pour le whisky aussi. Cheers. Merci pour cheers. Cheers, ça veut dire... C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire chin. Ça veut dire chin. Cheers, c'est chin. Chin to that. OK. Cheers. Cheers, Brice Alban. Brice Alban came to the show. Thank you to him for being with us. He's going to share with us his social media links. If you're not following him, make sure you do on Twitter, on Facebook. If you're not listening to Génération 2.0, wake up and talk to us. Il y a sommeil. C'est confortable, hein? Je peux me coucher ou pas? Non, bien sûr. Ah, mais là, tu vas payer les frais de nuitée, la nuitée qu'on paye à l'hôtel, là. Ah non, c'est bien, là. Franchement, je me sens bien ici. Donc, il y a ton audience qui aimerait te suivre. Je peux dormir ici aussi ou pas? Après avoir dit ou te suivre sur social media. Bah, vous pouvez me suivre sur Nostalgie Cameroun d'abord. Je suis à l'antenne de lundi à vendredi de 16h à 18h30. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Brice Alban 1 sur Twitter, Brice Alban sur Facebook, @génération 2-8-0-8 sur Twitter, Génération 2.0 sur Facebook et Brice Albin, BRICEALBIN sur Instagram. Je vous attends, venez nombreux. I'm sure you can tell from that position that at the Miss B Show it's goodbye time. Thanks for watching, guys. A special thank you to my guest Brice Alban for coming on today. A special thank you to my sponsors and a special thank you again to you for watching. Check us out on Facebook, www.facebook.com/Miss B Show, and on Twitter we're @TheMissBShow. Thank you and see you next time. Bye. From now on, you will get news faster, share faster, work faster, play faster.
At Orange, we know you love to work faster and share your passion instantly. That is why we offer you Orange 3G+. Surfing changes with Orange. Today changes with Orange.